Manger quoi, toi, ton dingue cochon? Oui. Sam
samedi 21 janvier 2023, la marche pour les retraites. Paris vers Nathan, place de la Bastille. Thank you.
Un écu qui t'a bien grâce, mon Dieu. Allez, c'est bon ça. Bravo. En marche pour crever. En marche pour crever. Bonne marche. Un pour 7 pour 99%. Reprenons en main la sécu. Ça y est, il y a la petite marque là avec. Les Versaillais, la commune n'est pas dead. La commune de Paris, 1871. Notre ami Georges Sands. Mai 68. Au reflet du temps et de son art, Muguette, une femme, une voix, un combat. Jean Jaurès, homme de paix. Réforme de retrait. Place de la Bastille, samedi 21 janvier 2023. Pour l'honneur d'État et le monde.
L'association attaque. ATTAC France. Vous allez rajouter vous-même les qualificatifs qui vous sont propres sur la réforme des retraites. Approchez, mesdames et messieurs. Voici la liste provisoire, bien sûr, des qualificatifs de la réforme des retraites. Auxquels vous rajouterez, à laquelle vous rajouterez vos propres qualificatifs pour le bonheur de tout le monde sur la place de la Concorde aujourd'hui, excepté la place de la Bastille, que dis-je ? Aujourd'hui, exceptionnellement, avec la distribution des derniers exemplaires d'une bande dessinée en couleur et entièrement peinte à la main. Mesdames et messieurs, voici les derniers exemplaires et qu'on distribuera avant d'aller bouffer en feu et que moi je n'ai pas une extinction de moi, parfaitement mesdames et messieurs, juste avant mon extinction de moi, je vous invite à regarder la liste non exhaustive des qualificatifs de la réforme des retraites. Une liste en couleur et entièrement peinte à la main. Et que je vais vous présenter ici, exceptionnellement dans votre ville, mesdames et messieurs, sur la place de la Bastille, grâce à une mobilisation exceptionnelle, messieurs, pour caractériser par des qualificatifs pointés la réforme des partisans. Je vous remercie.
Avec nous, on a Janine, on a François, on a Leïla, je leur laisse la parole. Bonne manif à vous autour du camion, ça va rester très animé toute l'après-midi. N'hésitez pas à rester autour. Aujourd'hui qui a démarré avant-hier, on essaiera de ne pas être tranquille. Parce que des fois dans la vie, on doit lutter face à face, des fois on doit lutter contre la vie. La vie c'est la vie. Et à la fin de la vie, tout ce qu'on souhaite dans la vie c'est d'avoir une retraite. Et une retraite si possible digne et en bonne santé. Merci aux 18 000 à Amiens. Un mot de merci à tous ceux qui, dès 5 heures du matin, distribuent les tracts à l'entrée de la 16. Dans la grève qui va démarrer. Sur le carrefour de Métarum, qui ont parce que cette réforme, c'est juste du vol. Un grand merci à ces 2 millions de personnes. De notre vie, de notre parce que quand on va rentrer dans une bataille parlementaire, en 2 ans dans la gueule, qui que tu sois, comme ça, 2 ans plus à s'esquinter, ou alors à crever. Et oui, ma copine, mon copain, le temps, tu peux pas l'économiser, tu peux pas le mettre dans ta poche ou sur un compte bancaire. On vole ton temps et on vole aussi ton argent. Parce que le vrai objectif de cette réforme, c'est les économies, c'est la décote. Parce que moi, je sais déjà que si je veux une carrière complète, c'est 67 piges. Je sais déjà. Mais l'objectif, c'est la décote. L'objectif, c'est qu'on soit tous à 1000 euros à la fin de cette réforme. 1000 euros, quel que soit le temps que tu es cotisé. Et nous, au Centre d'Action Sociale, on sait ce que c'est les retraités à 1000 euros, parce que c'est notre public. On le connaît, on le côtoie, on s'en occupe. Quand tu es retraité à Paris, avec 1000 euros, si t'es pas dans un HLM avec une APL et qu'il est bien isolé et bien chauffé, c'est la survie. Et nous, on s'en occupe. Nous, on essaye de gérer ça dans les services sociaux, dans les EHPAD, en aide à domicile. Il y a des retraités à 1000 euros qui viennent te voir en service social parce qu'ils n'arrivent plus à bouffer et qui demandent comment ils font pour aller au resto du cœur. Donc clairement, sur ce combat, c'est grève ou crève. On ne peut pas vivre comme des esclaves. Grève ou crève, on ira jusqu'au bout. Merci. Et à Rouseca et mondialisation. Laura et Noah du collectif La Chapelle debout. Parce qu'on n'est pas uniquement contre la réforme des retraites, on est aussi contre les réformes répressives, racistes et du tout sécuritaire de Darmanin. Bonjour à tout le monde. Donc on est là, pas seulement pour la réforme des retraites, mais vous parlez de tout le contexte qui arrive en même temps que cette réforme des retraites. Parce qu'en même temps, il y a la loi anti-squat, qui est la loi anti-locataire, et il y a surtout cette loi Darmanin qui a pour but de totalement changer l'immigration dans le but de frapper, de précariser les gens qui viennent travailler en France. On parle pas seulement de droit dignité, parce que le traitement qu'il fait aujourd'hui dans toute la France, aux personnes qui viennent de très loin pour travailler, est juste abominable. Toutes les préfectures, c'est toujours plus compliqué de vivre aujourd'hui en France quand on n'a pas tous les papiers. Et garder les papiers, c'est toujours plus compliqué. Salut, moi c'est Laura. On a aussi un truc par rapport au contexte, au moment politique. On est dans un moment politique important avec la réforme des retraites, mais c'est une opportunité aussi pour faire en sorte que ça déborde, parce qu'on a un front syndical qui est uni, on a des partis à l'Assemblée nationale qui sont unis. C'est pas le moment pour que dans la rue, il y a des frictions par rapport aux moyens d'action différents qui existent dans une manifestation. C'est important que tout le monde respecte les gens qui prennent des risques par rapport à la répression en occupant des lieux, en faisant le sbeul en tête de cortège, parce que c'est de ça dont il s'agit. L'important, c'est que le moment de la manifestation, ça doit pas, ça a une centralité qui est médiatique, mais la centralité politique, ça doit être des lieux où on peut se rencontrer, s'organiser ensemble, parler de stratégie. Donc pour ça, il faut occuper des lieux. Donc occupez vos lieux d'études, occupez vos lieux de travail et let's go. Merci. Vous en
Vladimir Camarade, signataire de l'appel à manifester aujourd'hui. On ne s'en dit pas tout entier, c'est le cas de la Merci Anthony, merci à tous. Je suis fier et très heureux d'être parmi vous. Et je suis fier par CGT d'être présent à cette manifestation. Métro Boulon, Piano. Pour tous, hein, pour tous et toutes. C'est ce qu'on nous promet avec la réforme. Ah, je ne dis pas. J'ai pas de mots concernant cette réforme des retraites. C'est normal que je vous l'ai dit. Je suis donc salarié de Skier, si j'ai bien dit cette ancien secrétaire du Sénat. Et on a mis une bataille extraordinaire il y a 3 ans. On a eu les anciens bureaux de conférence par le PEG pour les comportables en Maroc. Nous avons gagné 600 d'entre nous sur ce champ pour leur engagement. Il n'y aura aucune négociation. C'est donc un ministre de toute l'activité en Maroc. Et on a une chance de faire 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 une chance de